Bonjour à tous, bienvenue à Sommières. Nous sommes dans le Gard pour la deuxième manche du championnat de France élite de motocross. Ce week-end, c'est aussi l'ouverture du championnat féminin de MX où un duel se dessine déjà entre Justine Charroux et Livia Lancelot. C'est ici aussi que le trophée KTM fait étape. Au programme donc les qualifications du MX féminin et le résumé des trois courses du trophée KTM. C'est parti. Les filles effectuaient donc leur premier tour de roue dans leur championnat ce samedi. Elles étaient 37 à s'aligner pour tenter de ravir la pole. La lutte a été acharnée pour la deuxième place. C'est finalement Jessie Joanneau qui prend le meilleur en 2 minutes 7 secondes 0,42 devant Amandine Verstappen et Justine Charroux. Pour la pole, Livia Lancelot, la championne de France en titre, a frappé fort en signant un chrono de 2 minutes 5 secondes 604 dès le deuxième tour. Elle s'assure ainsi d'entrer la première sur la grille de main.